Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. Aujourd'hui on est vendredi et voilà, c'est mon dernier jour avec les enfants, je l'avais annoncé hier. On n'a rien prévu de spécial aujourd'hui à part préparer les valises, préparer tout ce qu'il faut pour que les enfants puissent continuer l'instruction chez Eric. Je vais essayer de leur mettre des jeux, etc. Bon, bien que chez Eric il y a la PlayStation, donc je pense que ça va être priorité aux jeux vidéo. Mais voilà, du coup, en fait, les enfants partent chez Eric et moi, je récupère Anaïs. Donc finalement, je serai pas toute seule la semaine prochaine, tout simplement parce que voilà, Anaïs, elle a 18 ans et qu'elle ne supporte pas les petits. Elle les aime beaucoup, hein, c'est pas du tout une question d'affection ou quoi que ce soit. C'est juste qu'elle a pas l'habitude de vivre dans les cris et tout ça et qu'au quotidien, elle y arrive pas. Donc si c'est pour l'entendre gueuler pendant une semaine, Eric m'a dit c'est mort. Il m'a dit moi, je vais pas vivre... dans les engueulades, dans les cris, etc. Parce que du coup, c'est pire quand ils sont tous les cinq ensemble. Déjà, ça crie beaucoup quand ils sont que tous les quatre. Mais quand Anaïs est là, c'est pire que tout. Donc, parce que du coup, elle s'emporte, elle crie plus fort qu'eux. Enfin, c'est caractère contre caractère, n'est-ce pas? Donc, du coup, elle va venir passer la semaine avec moi. Quelque part, je me dis, c'est pas plus mal. Au moins, je serai pas toute seule. Et puis, voilà, ça va nous permettre de passer un petit peu de temps toutes les deux. Ça fait longtemps que... Ben, on ne passe plus de temps toutes les deux, depuis qu'il y a les petits en fait. Et donc, ça va être l'occasion. Finalement, ce confinement n'a pas que des mauvais côtés, n'est-ce pas? Je ne pense pas que j'aurai le temps de nettoyer ma voiture aujourd'hui, puisque du coup, je vais faire un peu de ménage déjà. Ensuite, on n'a pas encore fait l'instruction, là il est 11h. Bon, on a tous... je suis passée à la douche, on s'est levé à 8h. Enfin, moi, je me suis levée à 8h ce matin, les enfants, je les ai réveillés à 8h30. Du coup, là, ils sont en train de passer à la file, à la douche. Et puis, je suis en train de faire... Je filme, hein, mais après ça, je vais faire un petit peu de ménage, préparer le repas. Après le repas, on va faire l'instruction du jour. Et puis, en même temps qu'ils feront l'instruction, moi, je vais essayer de préparer la valise. Je vais demander à Marceau qu'il mette, comme ça, il ne dérangera pas les grands qui travailleront. Et puis... Après, je ferai l'instruction avec Adam, puisque Adam, il faut que je sois avec lui pour le faire. Comme je pense qu'avec un petit peu d'autonomie, il est capable de le faire. Donc, bon, on va voir comment ça se gère tout ça. Mais après, ben, on fera les. Enfin, moi, je vais faire les valises. On va préparer tous les jeux et tout qu'ils veulent emmener pour s'occuper chez Eric. Et puis, parce qu'ils vont quand même être enfermés dans un petit appartement, donc ça va pas être facile. Mais bon. Moi, je vois pas de solution. Hein. Après, je pourrais lui dire comme moi j'ai fait hier, hein, tu peux sortir en bas de chez toi, mais t'évites de croiser les voisins. Quoi. Mais c'est toujours pareil. Lui, il habite dans un immeuble, ce qui veut dire que pour sortir de chez lui, bah, il pose la main sur des poignées, sur des rampes d'escalier, sur tout ça, que tout le monde touche tous les jours. Et en gros, il ne peut pas savoir s'il y a quelqu'un qui est descendu deux minutes avant lui. Quoi. Donc, ça me fait un peu peur. Mais bon, on verra bien. Il faut arrêter de flipper. En fait, je regrette de ne pas m'être inquiétée plus tôt, parce que j'aurais été vigilante plus tôt. Après, voilà, on ne l'a pas forcément attrapé, mais je comprends pas que les gens soient pas plus sensibilisés, quoi. Enfin, bref. Bon, sur ce, bah, c'est parti. L'activité, la vraie activité de la journée va commencer. Et puis, cet après-midi, je vous montrerai quand même un petit peu ce qu'on a fait, même si... je pense que l'après-midi va très vite passer. À 18h, du coup, j'emmène les enfants chez Eric et je reviens avec Anaïs. Et puis, voilà. Voilà, voilà. Ça me fait bizarre de les laisser partir pour une semaine. En fait, je les ai déjà laissés partir plus que ça. Ils sont déjà partis 3 semaines en vacances chez mes parents. Ça a été super long, c'était dur. Et normalement, ils devaient rester 4 semaines. Et au bout de 3 semaines, je suis allée les chercher parce que j'en pouvais plus. Et encore, à l'époque, j'étais avec Eric, donc j'étais pas toute seule. Mais là, là c'est dur. C'est dur de me dire, je me dis heureusement qu'Anaïs vient finalement. Parce que je pense que ça aurait été difficile. Sachant qu'on peut pas sortir, enfin qu'on peut pas vraiment sortir. Si, avec Anaïs, je pense qu'on va aller courir un petit peu. Mais pour ça, il faut que je me fasse des masques et... Je me dis, tout le monde me dit, ouais, un foulard, ça sert à rien. Je me dis, c'est quand même mieux que de ne rien avoir, quoi. Donc, à la limite, ouais, je pense qu'on va...
Il y a ma voisine qui me disait qu'avec des élastiques et un filtre à café, on peut se confectionner un masque. Alors n'hésitez pas, hein, si vous avez ça sous la main et que vous n'avez pas de masque, n'hésitez pas à vous confectionner. Oui, Kou ? Bah, ce que tu veux, si tu veux, tu peux te mettre en short, hein, il fait beau. Hein. Comme il cherche quoi mettre. Et je suis un petit peu inquiète pour son genou parce que, en fait, hier, comme je le disais, il est tombé en vélo. Sauf que, en fait, il s'est payé une rampe de sécurité. Vous savez, les rampes qui sont. Enfin, c'est pas des rampes, c'est des barrières qui ont été placées sur les petits chemins pour éviter aux scooters et motos de passer par là. On peut passer en vélo, mais c'est quand même un petit peu étroit. Même pour les poussettes, déjà, c'est étroit. Et en fait, je pense que Koum, il a voulu faire le kéké, il est arrivé trop vite et il s'est payé une barrière, en fait. Donc, c'était très mal. Il a mal au genou et en fait, alors il me dit que ça va, mais en fait, quand il s'appuie sur son genou, et ben, en fait, il. Comment expliquer ? Il marche normalement, puis d'un coup, ça va lui faire super mal. Donc, je sais pas trop quoi penser. Mais bon, je vais attendre quand même quelques jours parce qu'il marche, hein, mine de rien. Donc, Quoi ? Ah ben, il me crie de là-haut, mes jambes elles vont un peu mieux. Donc, je pense que ça va passer. C'est le coup de. Forcément, il va avoir mal pendant quelques jours, mais j'espère que ça va passer et qu'on va pas être obligé d'aller à l'hôpital. J'ai vraiment pas du tout envie d'y mettre les pieds. Donc, j'espère que ça va aller. Je me dis qu'il n'y a pas de raison. Voilà. Bon, alors ce matin, je suis dégoûtée. Je me suis rendu compte qu'en fait, je n'ai plus de pain grillé. J'achète pour mon petit déjeuner des petits pains grillés comme ça. Alors, ceux-là sont de la marque U, mais il y a les mêmes chez Leclerc. Ils sont notés excellents dans Yuka. Je le répète parce que c'est important. Et du coup, je mange ça le matin au petit déjeuner. Sauf que en fait, j'avais acheté 4 paquets. Du coup, je me suis dit, c'est bon. Donc, hier soir, j'ai validé mon drive et il n'y a pas 4 paquets, quoi. Donc, je me dis que c'est aussi pour ça, en fait, que lundi, je pense passer chez Super U. Donc, je m'achèterai des gants, je vais récupérer mon colis pour pouvoir faire des masques et on va voir comment on va gérer ça. Mais j'avoue que ouais, c'est quand même un petit peu inquiétant. Il faut rester prudent et rester chez soi, surtout. Voilà, bon allez, on arrête de parler de ça, je m'active et puis je vous reprendrai tout à l'heure. Bon, comme vous pouvez l'entendre, c'est la saison de la tonte. Je voulais juste vous montrer ce qu'on a désherbé hier. Comme je le disais, ça fait pas propre. Hein. Ça fait pas propre parce qu'on a remis la terre en dessous des cailloux blancs et donc du coup ça fait des coups. Mais j'ai quand même tondu. J'ai tondu ici, je vais retourner la caméra, je vais vous montrer. Bon alors je suis désolée pour le bruit de tondeuse, hein. Ça va être fort à un moment quand on va passer à côté de la haie. Donc voilà, ça c'est le devant en fait de chez moi. Si je peux vous montrer, voilà, il y a la fameuse partie qu'on a désherbée hier. Et puis mon jardin, si je puis dire, commence ici. Donc voilà, les haies, ça va, elles sont pas trop en friche. Du coup je vais descendre en pelouse. Par contre le terrain il est très en pente. C'est assez désagréable. Là, il y a de la caillasse chez le voisin. Oups. Hop. J'avais oublié de refermer le portillon hier soir. Normal. Donc voilà, tout ça c'est tondu. Je suis trop contente. Et puis, voilà le jardin. Donc hier soir, on a oublié de ramasser le coussin du relax. Voilà, bon, j'ai arrêté de filmer. Il y avait ma voisine dans son jardin. Je me suis dit, elle va se demander ce qui se passe. Donc voilà, vous avez vu mon jardin, c'est vraiment petit, mais on a un peu de verdure, c'est le principal. Bon bah là du coup, il est tard, hein. Il est 1h moins le quart. Koum a fait la majeure partie de son instruction, Elsa pareil. Ils vont terminer en tout début d'après-midi. Et puis moi je vais m'y mettre aussi avec Adam. Marceau, je lui ai imprimé des découpages que la maîtresse vient d'envoyer. Donc comme il n'est pas très doué pour le découpage, enfin c'est pas. Pour l'instant, ça fait pas partie de son. Enfin, si ça fait partie de l'apprentissage, mais il n'avait pas encore commencé. Donc on va commencer, on va voir. Donc là j'ai imprimé pour qu'il découpe des lignes droites, hein, on ne s'emballe pas. Faut que ça démarre. Hein. Donc je vais lui dire qu'il suive bien les lignes, qu'il faut bien découper sur les lignes. J'ai imprimé plusieurs pages, comme ça il va pouvoir s'entraîner. Et puis après par contre chez Eric, voilà, je suis.
sais pas comment Eric va gérer parce qu'il n'a pas d'imprimante et que j'avoue que quand on n'imprime pas, c'est un peu compliqué en fait. Donc ce qu'ils n'auront pas pu faire là-bas, ils le referont chez moi quand ils rentreront, mais ça va faire du boulot, je pense. Donc voilà. Bon, du coup, j'ai décongelé des cordons bleus et je vais faire des haricots verts. Il n'y a que Adam qui va manger le reste de pâtes parce qu'il ne veut pas manger de haricots verts. Et puis, il veut absolument manger des pâtes. On en mange, mais trop souvent, j'en ai ras-le-bol. Mais lui, non, il s'en lasse pas. Donc voilà. Je pense que je vais, en attendant que ça cuit, là, enfin, le temps que ça se prépare, en tout cas, je vais passer l'aspirateur parce que la chatte s'est trouvée une nouvelle activité. Je vais vous montrer. N'est-ce pas, mademoiselle ? Ayez pitié de moi, regardez. C'est la cata. Il y a du bordel partout. Donc, mademoiselle Pernelle est venue, en fait, dans mon placard, où j'ai mes réserves alimentaires et hygiéniques. Et donc, elle a littéralement percé le paquet de croquettes, alors qu'elle en avait dans son bol. Et elle a dépouillé les rouleaux de papier toilette. Donc, elle a évidemment interdiction de venir dans ce placard en temps normal. Mais comme il y a le ballon d'eau chaude, il y fait bien chaud dans ce placard. Et donc, elle est souvent tentée à y aller. Sauf que, en gros, tant que j'ai pas d'aliments découverts, en fait, dans ce placard. Donc, techniquement, tant qu'elle dépouillait rien, ça ne me dérangeait pas. Si elle commence à foutre le brin dans mon placard et à me dépouiller tout ce que j'ai dedans, ça va pas le faire. Donc, du coup, je pense que je vais devoir acheter un aimant pour que la porte reste fermée. Un aimant pas trop puissant non plus, hein, mais juste histoire que j'essaie d'attraper tous mes cordons bleus dans la même main. Je suis trop balèze. Juste histoire que elle ne puisse plus l'ouvrir, mais que les enfants puissent quand même continuer à l'ouvrir. Donc, on va voir ça. Comme tes pieds nus sont toujours dans l'entrée, hein. Alors, il y en a un qui s'amuse à déballer le meuble à chaussures, donc ma claquette que vous voyez là. Voilà, c'est Mars. Mais j'ai mis sa pénis dans le placard. Bah, la preuve que non, elles sont parties toutes seules. Attends, qu'est-ce que tu portais ? En fait, c'est Adam qui a rejeté les pieds nus de Com par terre parce que Com avait mis les pieds nus dans l'étagère de Adam. Tout va bien. Tout va bien. Vive le confinement. J'ai hésité ce matin, je voulais faire une IGTV parce que j'étais en train de faire le travail des grands. Et puis, il y avait Adam et Marceau qui étaient là-haut et ça criait. Je n'en pouvais plus. Je me suis dit, je vais filmer ça. Je vais le montrer aux gens et je vais leur dire, ayez pitié de moi, restez chez vous. Ayez pitié de moi. Mais non, je ne l'ai pas fait. Il ne faut pas pousser le bouchon trop loin quand même. Enfin, ceci dit, si on les menaçait, je vais les menacer de leur prêter mes enfants s'ils ne restent pas chez eux. Ça a peut-être fonctionné. Du coup, c'est déjà le bordel dans le jardin. Je suis en train de voir. Il y a des bottes en caoutchouc d'Elsa qui sont restées là-bas. Il y a des petits outils sur la terrasse, mais ça, je vais ranger cet après-midi. Donc là, je vais mettre un peu la télé le temps que je fais à manger. Et puis, on va se mettre à table. On va terminer l'instruction, préparer les valises. Enfin, la valise. Enfin, les valises. Non, je vais prendre la grande, mais je vais en mettre une. Et puis, je sais même pas combien de tenues il faut que je lui mette, parce que là, concrètement, le linge sèche assez facilement quand même. Donc, je pense que je vais lui mettre... Là, ils sont habillés proprement aujourd'hui. Je comprends, ils sont toujours habillés proprement, mais je veux dire, ils ont des vêtements propres du jour. Et donc, ils pourront les reporter demain. Donc, je vais lui remettre deux tenues. Et concrètement, s'il a besoin, après, il lave en deux tenues, ou même juste une, hein, il lavera au fur et à mesure. Parce que le problème, c'est qu'il me rend que la moitié de ce que je lui donne. Donc, moi, ça m'arrange que moyennement. Voilà. Donc, non, je pense que je vais lui mettre qu'une seule tenue, puis pas les vêtements que je préfère non plus. Comme ça, en même temps, s'il reste enfermé dans l'appartement, je pense que je vais juste leur mettre des shorts. Short t-shirt pour le change, et ils repartiront avec la tenue dans laquelle ils sont venus. Tout simplement.
pense qu'on va gérer comme ça. Parce que de toute façon, ils sont pas censés sortir, ils vont rester confinés, donc je vais en parler avec Eric, mais ouais, je pense que je vais faire ça. Bon, je vous reprends, il est 16h10. Bon, là, je suis dans la salle de bain, mais en fait, je suis en train de préparer la valise pour les enfants, puisqu'ils partent ce soir. Et il y a une bonne partie qui est prête, super. Faut rouler le tapis et puis on va emmener le tapis. Donc là, Marceau est en train de préparer les jouets. Moi, je fais la trousse de toilette. Et les grands rangent leur chambre parce que, comment vous dire que c'est une catastrophe, ben en fait, je ne saurais pas dire. Je leur ai demandé, hein. J'ai demandé pourquoi la chambre était dans cet état. Bah, c'est de la faute de personne, évidemment. Maman, évidemment. Maman, je peux pas parce qu'il y a trop de bazar. De quoi? Bah, regarde. Il y a trop de bazar et je peux pas venir ici. Je peux pas. Mais si, tu peux. Elle demande aux grands qui t'aident. Ils peuvent t'aider les grands. Hein. Plus petit, peut-être pour les dents. Et puis bah, après, ouais, on va mettre tout ce qui va être jouet et tout ça. Enfin, c'est toute une organisation. Hein. Donc bon, ça se fait petit à petit. Alors, les grands qui sont censés ranger ne rangent absolument pas, bien sûr. Mais vous voyez bien autour. Oui, bah, ça se voit, oui. Ça se voit, la chambre, elle est nickel. Et on ne parlera pas de la litière du chat. Hein, qui... En fait, Elsa me dit qu'elle est propre. Sauf que, en fait, elle est tellement sale autour que je pense que il n'y a pas de danger qu'elle aille dedans. Donc, je vais m'occuper de tout ça. Je vais nettoyer le coin de Pernelle et en faire quelque chose de propre. Parce que là, franchement, c'est du grand n'importe quoi. Donc voilà, bah, du coup je termine, je vais leur préparer plein de petites choses et puis bah, après on va se préparer pour qu'ils puissent y aller. Bon, je vous reprends, il est 18h, on est devant chez Eric qui n'est pas là. Il est parti faire des courses mais il y a Anaïs dans l'appartement donc on va monter. Mais voilà. Mais il n'y a pas les clés. Dernier moment avec les enfants. Ouais. Vous dites au revoir. Au revoir. Enfin, pour une semaine, hein. Au revoir pour une semaine. Et à dans une semaine. À dans une semaine? Ouais. Pardon. Voilà, c'est le moment de... C'est le moment de la séparation. Bon, je vous reprends, il est 21h20. Bon, j'ai encore changé de tenue. Aujourd'hui, je me suis changée souvent. En fait, quand on est parti pour aller chez Eric, en fait, j'ai tellement couru cet après-midi pour préparer la valise, faire le ménage, ranger. Enfin, en fait, je jonglais entre plusieurs activités. C'est-à-dire que j'étais avec les enfants quand ils ont fait l'instruction, dès qu'ils ont eu fini. Enfin, pendant qu'ils faisaient l'instruction, je faisais du ménage. Ensuite, du coup, je gérais les deux en même temps. Ensuite, je suis passée sur l'instruction d'Adam. Ensuite, je suis partie faire la valise. Donc, j'ai pas arrêté, en fait, de l'après-midi. Du coup, niveau transpiration, c'était un peu abusé. Donc, j'ai préféré voilà, me faire une petite toilette et me changer avant de partir. C'était quand même plus respectueux. Et puis, même si, bon, j'allais voir que Eric, mais j'aime pas sortir comme ça, je me sens pas bien. Et du coup, en rentrant, on a bu un verre de coca avec Anaïs et je me suis... En fait, au moment où j'ai voulu servir le coca, j'ai fait tomber la bouteille. Donc je me suis dit, bah, on va attendre un peu avant de l'ouvrir. Sauf que, tête en l'air comme je suis, on a discuté deux minutes avec Anaïs et là, je prends la bouteille et je l'ouvre. Normal. Du coup, bah forcément, ça a giclé partout. Donc, bah, j'en avais plein mes manches et tout, donc bah, du coup, j'ai échangé de encore. Donc voilà, bah, du coup, ça a été un peu compliqué, la séparation avec les enfants. Marceau, en fait, au moment où je suis partie, il regardait pas de patrouille, donc il s'en fichait, clairement, il s'en fichait. Après, Com a pas mal pleuré, parce que Com, il a beaucoup de mal à se séparer de maman. Adam, il était un petit peu triste, mais c'était plus la peur de l'ennui, en fait. Mais alors, pas de l'ennui de maman, hein, pas du manque, de l'ennui quotidien, en fait. C'est-à-dire que il avait peur de pas réussir à s'occuper et de passer sa semaine à s'ennuyer, en fait. Alors, je précise que Eric, il a un appartement
qui l'a pris dans l'urgence en fait, puisque quand on s'est séparés, on a quand même vécu, je crois pas mentir, je crois qu'on a vécu 3 mois ensemble alors qu'on était séparés, donc c'était assez pénible. C'était dur pour lui d'avoir un appartement parce qu'en fait on a dû attendre le premier rendez-vous avec l'avocat parce qu'il nous fallait une attestation de son avocat disant que le divorce était engagé pour pouvoir faire une demande de logement social. Donc du coup, ça avait mis pas mal de temps et donc en fait son appart, il l'a pris un peu dans l'urgence. Et résultat, il a un appart avec une seule chambre. Donc quand il reçoit les 4 enfants chez lui, c'est quand même un petit peu compliqué. Donc il a un canapé comme le mien, un canapé d'angle. Et donc du coup, comme Elsa dort dans le canapé, donc il y en a un qui dort sur le canapé, l'autre sur les méridiennes. Et puis bah en fait, Marceau et Adam dorment avec Eric dans son lit. Donc du coup, j'ai de la visite. T'es au calme, hein. Je pense qu'elle kiffe sa life là, qu'il n'y a pas les enfants. Et du coup, ils s'arrangent. Enfin, c'est du camping. Les enfants aiment bien. Dans le principe, le camping, ils aiment bien ça. Enfin, le camping. C'est pas vraiment du camping, mais le fait de voilà de dormir un peu à l'arrache et tout ça, les enfants, ils aiment bien ça dans le principe. Mais c'est vrai que l'appartement est tellement petit qu'ils font vite le tour, qu'ils ont tendance à s'ennuyer un peu. Et alors là, pendant le confinement, ça va être encore pire parce que du coup, ils vont même pas pouvoir sortir. Donc, du coup, c'est un peu compliqué pour eux d'aller chez lui. Mais bah voilà, lui, il est toujours très content de les prendre chez lui et c'est normal. Enfin, et je pense que les enfants sont contents de le voir aussi, mais je pense que c'est le manque de confort qui commence à leur poser problème. Donc, Mademoiselle Pernette, depuis qu'elle a été malade, elle se sent pousser des ailes. Elle monte sur les tables alors qu'elle sait très bien qu'elle n'a pas le droit. Donc, bref. Donc, ouais, c'est le manque de confort, je pense, qui pose problème. Enfin, ouais, à tout le monde, en fait. Hein. Il n'y a que Marceau qui s'en rend pas vraiment compte. Marceau, il est vraiment dans l'euphorie de retrouver papa. Lui, il est trop content et il est encore petit. Donc, ça, c'est vrai que ça, c'est des détails qui, pour l'instant, ne le perturbent pas plus que ça. Mais c'est vrai qu'Elsa, Com et Adam, bah, ils sont un peu plus... Je vais pas dire capricieux parce que c'est normal d'avoir envie d'avoir un vrai lit pour dormir, d'avoir voilà. Et là c'était pas le cas et du coup c'est vrai que comme il était un petit peu tristoun, il voulait pas absolument repartir avec moi. Il a pas arrêté de me dire bon, on repart à quelle heure, quand est-ce qu'on repart, Pernelle, tu descends. Et du coup, je comprends mieux pourquoi elle veut monter. Comme c'est pris un chocolat chaud pour le goûter. Mais le chocolat il est toujours. Avec les dessins, avec tout ce que je leur avais dit de mettre à la poubelle avant de partir, que personne n'a mis à la poubelle, puisque quand j'ai vu l'heure, je me suis dit, ah oui, quand même, on est un peu à la bourre. Donc, je leur ai mis un peu la pression. Au final, on est parti dans l'urgence. Enfin, dans l'urgence. Pas dans l'urgence non plus, mais voilà, on n'a pas triné, et finalement, bah, ils ont laissé tout en plan. Enfin, c'est pas grave, j'en ai pas pour 3 heures à ramasser, mais du coup, ça attire le chat. Donc voilà, du coup ouais, c'est vraiment cette histoire de confort qui pose problème. Donc comme voilà, il voulait rentrer avec moi. Adam, je suis allée lui dire lui faire un bisou, il m'a serré fort par le cou. Alors je lui dis qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit je sais que je vais m'ennuyer. Alors je lui dis non, tu seras avec papa et tout, c'est cool. En plus, ils ont emmené plein de jeux. Ils adorent le jeu d'échecs, on a emmené le jeu d'échecs. Je leur ai pris le croque-carotte. Marceau, il adore le croque-carotte. Adam, c'est pareil. Je leur ai emmené le gang de castor, le wasabi. C'est des jeux que Com adore faire. J'ai vraiment pris que des trucs qu'ils aiment bien. Donc, je me dis quand même, enfin, il n'y a pas de raison, quoi. Donc, bon, on verra comment ça va se passer pour eux. Mais j'avoue qu'ils étaient un petit peu réticents quand même ce soir. Bref, du coup, Anaïs, là, elle est partie prendre un bain. Moi, je m'occupe du montage de ma vidéo. Je vais ramasser un petit peu le temps que ça charge, puisque du coup, j'ai des petites bricoles à ramasser là, un petit peu dans le canapé, parce qu'on a mangé là avec Anaïs. Et puis, du coup, un peu sur la table. Et puis, dès que ça va être monté, moi, je vais monter me coucher, parce qu'il est déjà 21h30. Je vais essayer de me coucher pas trop tard. Donc, voilà. Eh bien, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un beau week-end. Profitez bien du beau temps, mais restez chez vous. Quand même, c'est très important. Restez confinés, évitez même d'aller faire les courses tant que vous pouvez, quoi. Retardez l'échéance le plus longtemps possible. Vivez sur vos réserves le plus que vous pouvez. Voilà, bon bah sur ce, je vous refais des gros bisous. Je vous souhaite un très bon week-end, profitez bien, prenez soin de vous et je vous dis à lundi dans une vidéo à thème.